Quelques heures à peine après le drame, les stigmates sont bien visibles. Les charpentes du 19e siècle des écuries 3 et 4 n'ont pas résisté aux flammes. L'incendie qui s'est déclaré peu après minuit au haras national de Saint-Lô a été très violent et a surpris les habitants du centre-ville dans leur sommeil. Le symbole est d'autant plus fort pour Saint-Lô que ces écuries n'avaient pas été détruites en 1944 et que c'était justement les seules qui n'avaient pas été détruites en 1944. Donc ce joyau, ce patrimoine saint-lois, tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie. Le programme autour du haras est très fort, nombreuses activités, un programme vraiment très ambitieux. Donc forcément, nous sommes sous le choc parce que c'est une partie de nous-mêmes qui est partie en fumée. Pendant plus de 3 heures, les 75 pompiers venus de tout le département ont lutté pour éteindre le feu. Sur les 4000 m2, 1500 m2 ont été préservés, en partie rez-de-chaussée. La toiture a été détruite de façon un peu plus importante, on va dire aux trois quarts. Heureusement, pas de blessés. Les 22 chevaux présents dans l'une des deux écuries ont pu être évacués à temps avec l'aide de bénévoles et mis à l'abri dans les autres bâtiments du haras dont la majorité est épargnée. L'incendie a pris dans le stockage de foin, mais reste à déterminer la cause. Quand il y a une certaine température et un degré d'humidité avec le compactage du foin, il peut y avoir un phénomène d'échauffement, de libération de chaleur qui peut à terme provoquer un incendie. Donc c'est une piste accidentelle qui va être évidemment travaillée et recherchée. Pour ce berceau du cheval de sel français où travaillent 45 personnes, c'est un coup dur. Le laboratoire de reproduction est détruit, tout comme la sellerie voisine. Mais avec la triste nouvelle, s'est propagé un grand élan de solidarité. J'ai mon téléphone qui explose, des gens qui appellent de partout, qui éprouvent leur solidarité avec ce site. J'ai un loueur de boxe qui propose de me prêter des boxes démontables pour accueillir des chevaux en attendant. Ouais, la solidarité, elle est partout. Et ça nous donne envie de continuer, ça nous donne envie de nous battre. Depuis 2017, la ville, l'agglo, la région et le département ont repris les rênes du Polypic dont l'activité touristique est pour un temps mise de côté. Pour répondre aux nombreuses sollicitations, la Fondation du patrimoine a ouvert une souscription en ligne. Plus jamais ça.